Bah tu vois, tu t'en sors bien, gros yeux. C'est relaxant, non? Allez, gros yeux, je te laisse ici, je te laisse faire du piano, vas-y, installe-toi. Moi, je dois aller au marché comme tous les matins. Je vais acheter des petits fruits, légumes un petit peu là, parce qu'il manque un petit peu de fruits et légumes dans le frigo. Et je reviens, d'accord? Pas de bêtises, tu surveilles ta sœur, ok? Ok, mais attends, maman, tu n'as pas le droit de sortir de cette maison tant qu'ils n'ont pas mis le pouce bleu. Hein? Comment ça? Ouais, ouais. Bah tant qu'ils n'ont pas mis le pouce bleu, ils ne sont pas abonnés, ils n'ont pas mis le code choco, tu ne sortiras pas. Ah, il a pas tort. Bah, si vous avez toujours pas mis le pouce bleu, qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai, bah, je sors pas tant qu'il a pas mis le pouce bleu. Allez, on attend 5 secondes, allez, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. Allez, je vais garder un œil sur ta sœur. D'accord, d'ailleurs, maman. Oh non, non, grosse, c'est bon, laisse-moi m'en aller pour une fois. Attends, je m'en fous. Non, je m'en fous, je m'en vais. Non, non, je m'en fous. Ça, Alexa, chouchou, je m'en vais. Du coup, je te laisse avec gros yeux, ok? Pas de bêtises. Promis. Attends, tu faisais quoi sur l'ordi là? Rien, je jouais à Fortnite. Ok, pas de bêtises sur Fortnite alors. T'oublies pas que c'est mon ordi. Promis. Oh oui, promis. Allez, pousse-toi, gros yeux. Oh là là. Je veux juste te dire quelque chose. Oui, quoi, bon sang. Fais gaffe, Alexa, parce que hier j'ai entendu parler toute seule dans la chambre. Pas toute seule dans la chambre? Bah, je sais qu'elle a des copines et des copains imaginaires, je le sais ça. Allez, décale-toi s'il te plaît. Allez, hop, bisous, gros yeux. 2000 years later. Je me suis dit, j'ai oublié de récupérer. Oh là là, j'ai oublié de récupérer ma clé de voiture. Hop, les petites clés. Coucou mes abonnés! Quoi? Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Lexa, la fille de Choco. Parce que maintenant j'en ai marre des vidéos avec Maman Choco et de gros yeux et Ménère. C'est une blague. Elle a vraiment transféré une vidéo en plus face cam. Je fais oh, je rêve. Gros yeux, il avait donc raison. C'est une blague. Et sa voix, elle change sa voix genre lorsqu'elle fait des vidéos. Attends, je sors vite fait. C'est une blague. Bon, je vais tout de suite voir ce qu'elle fait. Mais avant que la vidéo débute, Choco, balance la pub. Non, la pub. Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocoline Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Mais c'est pas possible, je vais avancer, je vais regarder ce qu'elle fait de plus près, je vais m'accroupir. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon grand frère gros yeux parce qu'il m'énerve. En plus, il est nul, il pue le poisson et il a un crâne tout chauve. Il a un crâne tout moche et on dirait un ver luisant. La même pas dedans, il m'énerve. C'est une blague. J'ai une idée. Je vais faire croire que comme si je revenais, genre, vous voyez. Et faites-moi les 1000 abonnés comme ça. Quoi? Faites-moi les 1000. Elle va connaître le crâne. Maman Choco, elle m'offre rien. Et elle me tape. Elle est mise. C'est une mytho, je suis jurée, c'est une mytho. Je ferai tout pour ça. Elle veut manipuler mes abonnés. Elle veut manipuler les gens. Elle veut survivre carrément. Je vais rentrer. Oh, je vais la tuer. Oh, je vais... Ah, Lexa, coucou Lexa, j'ai oublié de récupérer les clés, t'aurais pas vu mes clés par hasard? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en prends pleurer? J'ai rien, non. Tu faisais quoi? Non, rien, je... Tes clés, je sais pas où elles sont. Ta voix, elle a un petit peu changé, je trouve. C'est bizarre, ce ton-là, normalement, tu prends quand tu fais une sorte d'erreur, de bêtise. Non. Menteuse. Quoi? Tu me traites de menteuse en plus? Et toi tu dis que j'ai changé ma voix, mais t'es une menteuse! Va-t'en! Bah non, mais tu parles à comment, Lexa? Et toi? Quoi? Les, tu parles à moi, là? Est-ce que je veux? Moi, maintenant, je suis adulte! Lexa, tu n'es pas encore adolescente, Loulou. Donc, tu vas tout de suite te taire et tu vas tout de suite t'accroupir immédiatement. Tu as parlé autrement, parce que j'entends des choses depuis tout à l'heure que ça ne correspond pas du tout à ce que j'écoute là. C'est quoi cette histoire? Mais maman, je rigole. C'était un prank. Vous rigolez? Un prank? T'es bizarre, Lexa. Oh, Kaline, t'es trop mignonne. Mais t'es bizarre un petit peu. Bon, allez, pas de bêtises. Je vais retrouver mes clés. Bon, c'est pas grave, tant pis, je crois qu'elles sont là-bas. Bisous, Lexa, pas de bêtises. Eh, mais c'est trop bizarre, qu'est-ce qu'elle veut me faire là? C'est la première fois où je vois Lexa parler hyper mal. Allez, je re-rentre, trop bizarre. Je vais écouter. D'accord, j'ai bientôt fini d'exporter les vidéos. Donc, alors, je vais couper les moments où elle est méchante. Et moi, je vais faire genre que je suis trop gentille. Et puis après, je vais faire genre elle est trop méchante. Et je vais dire qu'elle m'a tapé. Mais c'est quoi ces enfants que j'ai? Un gros yeux qui ne respecte rien. Lexa qui commence à faire des manigances dans mon dos. Elle veut faire une expression et publier une vidéo carrément. C'est pas possible, j'y crois pas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, je n'y crois pas. J'ai entendu du bruit.
maman. Ok. Non. Elle est où? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, le petit poisson, purée. Bon sang. Lexa, qu'est-ce que tu faisais? T'es sur l'ordinateur encore? Mais non! Moi, j'ai lavé du ménage par terre parce que Crozier, il fait des crottes de poisson par terre. Hein, des crottes? Ok, bon. Bah, moi, je recherchais mes clés et je les ai pas trouvées, donc bon, je crois que je vais vraiment m'en aller. Vas-y, passe bien le balai, ma fille, c'est bien. Allez, bisous, Lexa! Bye! Bisous. Bon, là, je suis cramée, là. Là, je peux plus revenir comme ça. Il faut forcément que je l'espionne par un autre moyen. Genre, par la fenêtre de l'autre côté, pour pas qu'elle me voie, parce que sinon, elle va me voir avec mes cheveux sont roses, bon sang. Mes cheveux, ils sont vraiment pas discrets. Je vais mettre là, peut-être, je verrai mieux. Oh, ok, en plus, super, puisqu'on a changé les vitres récemment. C'est pas du double vitrage, je vais pouvoir tout entendre. Trop cool. Maintenant, j'ai fini l'exportation. Alors, je vais dire qu'elle me tape. Et comme ça, je vais faire un buzz et je serai riche. Mais elle est... Oh c'est... Elle a changé, Lexa. Les abonnés. Mais elle est méchante. Allez vous désabonner d'elle. Comme ma ça, moi, comme ça, je mérite trop d'abonnés. Elle est nulle. Vous vous rendez pas compte. Moi, j'en ai marre d'être sa protection. Je suis plus un bébé. Moi, je suis adulte maintenant. C'est moi qui mérite l'argent. Ma elle est nulle. Ça, ma fille. Ma fille elle qui est pourrie. Déchire. Moi, je veux être une grande youtubeuse. Elle me gâche mes rêves parce qu'elle pense que je suis pas à la hauteur. Elle est nulle. Pourrie. Non mais là c'est trop grave, là c'est très très grave, je suis choquée. Donc maintenant s'il vous plaît abonnez-vous à moi dans le but que je recueille mes abonnés pour avoir mon propre code créateur et me payer ma maison. Mettez plein de likes sinon je vous tue et je viens chez vous pour manger. Non, je suis triste, croyez pas, vous savez que je fais ça pour vous faire rire. Maintenant, vous allez tous vous désabonner de la chaîne de Maman Chocolat and Vanilla sans oublier le petit H à la fin de Vanilla. Et après, vous la bannissez de YouTube parce qu'elle est trop nulle. Non mais là, par contre, je vous promets, je crois que je vais abandonner tous mes enfants en fait. C'est pas possible. Genre, je promène au troll. Genre, je sais plus quoi faire de mes enfants. Genre, c'est quoi ces enfants? C'est pourquoi j'ai des enfants pareils? Pourquoi j'ai des enfants pareils? Je suis déçue d'elle, j'ai plus de mots. C'était pourtant la... Comme quoi, il faut se méfier des apparences, vraiment se méfier des Lucky Dor. Maintenant, je vais récupérer, je vais être riche, je vais être la meilleure. Puis après, je vais dire, s'il te plaît, donne-moi le code Choco. Comme ça, après, elle va me dire, bah oui, parce que je vais lui faire croire que je fais des vidéos bien. Mais en fait, elle croit que mes vidéos, elles sont pas contre elle, mais elle se doute de rien, elle est dupe, ma maman. Maintenant, elle va se douter de rien. Et c'est bon, j'ai exporté. Le travail est fait. Non. Là, c'est... Non, non, non. Elle n'a pas exporté. J'espère qu'elle n'a pas publié la vidéo. Oh, je l'ai supprimé. Je vais être riche. C'est une blague. Mais t'es complètement starbée. Tu supprimes tout immédiatement. Immédiatement. Supprime. Tu sais ce qu'elle a fait, Lexa? Mais moi, qui pensais que Lexa, c'était la meilleure fille du monde et de la planète, t'as supprimé. Ok, c'est bon. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a des cris, mais wesh, elle m'a dit. Tu sais, oui, non, tu sais ce qu'elle a. Wesh, déjà pas de wesh, grosso modo. Tu sais qu'on est enfants. Tu sais ce qu'elle a fait, Lexa? Ah, hé, stop. T'as plus le mot. Tout de suite dans ta chambre. Dans la chambre, tout de suite. Tout de suite dans la chambre, immédiatement. C'est trop nul. Pousse-toi. Tu sais ce qu'elle a fait? Depuis tout. Alors, moi, je devais aller au marché, grosso modo, on jouait au piano. Non, mais t'es pas allé acheter le lait. Je suis pas allée acheter le lait ni les fruits. Il me fallait ma clé. Je rentre dans la maison et en rentrant dans la maison, tu m'avais demandé de faire attention à Alexa parce qu'elle parlait toute seule. Je pensais qu'elle avait des amis en commun ou elle avait des amis juste des amis imaginaires comme tous les enfants. Je rentre. Non, c'est pas le cas du tout. Elle a une chaîne YouTube. Elle a créé une chaîne YouTube. Heureusement, elle a 0 abonné. Quoique, elle en avait peut-être un et c'était ton compte. Et tu sais, elle a fait quoi comme vidéo? Elle a fait une vidéo où elle a fait du montage dessus par-dessus. Elle m'a parlé hyper mal. Elle m'a parlé vraiment trop mal. Et elle a fait un montage où elle est en train de tourner la vidéo. En train de couper tous les moments où elle me parlait mal et en laissant uniquement les moments où je lui parlais mal. Et elle a fait croire que je la frappais, gros yeux. Est-ce que je te frappe, toi? Est-ce que j'ai déjà levé la main sur vous? Non, parce que toi, t'as dit que tu tapes pas les gens. Hein. Jamais, même n'importe qui, jamais la violence. Voilà, mais elle a fait qu'elle pourrait aller toute seule. Elle a fait croire, non mais tu te rends compte, elle a fait croire à mes abonnés, enfin, elle comptait faire croire aux abonnés, tout ça pour avoir 1000 abonnés et avoir le code, genre mon code créateur et un code créateur. Tu te rends compte de la fourberie? Je crois que ça lui a monté la tête, hein. Elle commence à avoir la grosse tête, Lexa, depuis le moment. Depuis, elle fait des vidéos avec nous. Mais pourquoi est-ce que tu m'écoutes jamais? Mais oui, mais parce que gros de toi aussi, comment tu veux que je t'écoute à partir du moment où tu fais tout le temps des bêtises? Hein? Mais la plupart du temps, j'ai raison. Ouais, bon, la plupart du temps, ça va ton ego, là, il en prend pas trop un gros coup? Ça va?
La grosse tête aussi, tu commences à la voir, toi aussi. Bon, on fait quoi là maintenant? Parce que Lexa, c'est hors de question. Maintenant, tous les écrans, je vais les cacher. Déjà, je te propose d'effacer sa chaîne YouTube. Ouais, logique. Déjà, elle a pas l'âge pour être sur YouTube. Elle a pas l'âge requis. De supprimer l'archive de la vidéo pour pas qu'elle essaie de la poster plus tard. C'est vrai, bonne idée, vas-y. Et de l'enlever son ordi. Très très bonne idée. Ouais, c'est la meilleure chose à faire. Mais concernant... Ouais, je sais pas. Là, je crois qu'il se passe quelque chose dans sa tête. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Je pense que je vais la ramener chez le psychologue. T'en penses quoi? Elle est un peu bizarre. Elle a une voix bizarre. Je sais pas. Mais je pense que c'est parce qu'elle commence à grandir. Et je crois qu'elle grandit pas de la même façon que nous. Mais t'entends pas sa voix? Même sa voix, elle a mué en soi. Genre, sa voix, on dirait limite à un gars. Non, pas un gars, j'exagère, mais genre, sa voix, elle a grossi. Enfin, comment dire? Quoi? Tu penses ça de moi juste parce que ma voix, elle a changé, mais t'es trop nulle. T'es une maman méchante. Tu dis ça de moi dans mon dos, mais vous m'insultez. Moi, j'ai rien fait. Je suis une innocente. Je suis pour rien. Tu dis que je suis un homme, mais ça va pas dans ta tête. T'es trop nulle. Attends, Alexa, chérie Lolo. Parce que j'ai l'impression que Grosjeu, c'est ton préféré. Et moi, j'y suis pour rien. Et tout ce que je voulais faire, c'était attirer ton attention avec ma vidéo. Je suis trop moche, j'ai même pas de copine. Non mais Lexa, tu n'as pas besoin de dire tout ça en fait. Je comprends ce que tu ressens Lexa, mais c'est pas une raison de faire tout ce que tu allais faire. Tu te rends compte de ce que ça aurait pu faire? Tu comprends? Tu sais ce que ça, comment ça aurait pu me nuire? Ça se trouve, il y a des abonnés qui auraient peut-être cru à cette vidéo parce que t'aurais manipulé l'audience, t'aurais fait croire des choses qui étaient complètement fausses alors que c'est faux. Et gros yeux, t'es popcorn, franchement. Oh. Bon, tout ça pour dire, Lexa, quand t'as besoin de me parler, tu viens me voir et tu viens me le dire. Je trouve que je... Si... Oh gros yeux, bon sang. Si tu trouves que je te délaisse, tu me le dis. T'as pas besoin de faire tout ça, d'accord, Alexa? Ok? Oui, mais déjà, je me sens abandonnée par mes premiers parents parce qu'ils avaient que gardé Alex. Toi, tu fais la même chose, j'ai l'impression. Mais non, Alexa, chouchou. Je serai toujours là pour toi, malgré tout ce que tu viens de faire, ok? Merci, maman. T'es la meilleure. Oh. Voilà. Mais tu promets que c'est la dernière fois que tu fais tout ça? Tout ce cirque, tout ce cinéma? Oui. Ok. Oh, bah je te fais confiance. En tout cas, par contre, t'as plus d'écran. Hein, parce que là, après tout ce que tu viens de faire, c'est logique que je te fasse plus trop un petit peu confiance pendant un moment. Mais c'est bon. C'est réconcilié. L'histoire est réglée. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc, n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.